Je m'appelle Maria José Freire, je viens du Brésil. Je vais avoir 50 ans cette année. J'étais mère toute seule avec mes trois enfants, ils étaient tous petits. La grande, elle avait à l'époque 11 ans et le petit, il n'avait que 7 mois. Et j'ai traversé un moment difficile économiquement, on va dire comme ça. J'avais aussi mon papa qui était à ma charge. J'ai quitté le Brésil le 3 décembre 1999. Et 15 jours après, je commençais à travailler. Et regarde bien, je suis allée travailler comme nounou d'un petit qui avait 7 mois. T'imagines, mes seins avaient plein de lait. Et j'ai gardé un bébé qui avait 7 mois. Et mon bébé même était au Brésil avec ma mère. Mais quand même, c'était une Belge qui m'a donné du travail. J'ai gardé son fils pendant un temps. Je n'ai jamais senti une étrangère ici. Et je suis une étrangère, je ne parle pas bien le français, mais moi, je me sens chez moi. En 2004, je commençais à militer pour la cause de sans-papiers, pour la régularisation de toutes les sans-papiers. On a passé de 2004 à 2009 en train de faire des manifs et des manifs et des manifs d'occupation, grève de faim et tout ça, j'étais là. Et en 2009, voilà qu'il y a eu la régularisation. Et en septembre, je suis allée à la commune et avec mes enfants. Et on a tous eu la carte de séjour. Et tout allait bien. Mais maintenant, c'est encore pire être sans papier qu'en arrivant ici, tu vois. Parce que j'ai connu la vie avec les papiers. Et je sais ce que c'est d'avoir les papiers, d'avoir les droits, d'avoir le regard différent. Quand tu es sans papier et quand tu as tes papiers, c'est différent. Je n'ai pas de droits. Par exemple, là maintenant, j'ai eu le Covid. Et là maintenant, si je n'ai pas été travailler, le salaire, il ne rentre pas. Et tu risques même de perdre ton boulot. Parce que la patronne, le patron, il ne va pas t'attendre. Et ça, c'est désespérant, quoi. Il faut que la société, elle arrête de regarder les sans-papiers comme des bandits. On n'est pas des bandits. On est des humains, on est de personnes comme toi, comme tout le monde, quoi. On a les mêmes rêves, on a les mêmes histoires de vie. On est pareil, quoi. C'est juste un papier qui nous divise.